Japon. Le déploiement de l'armée soviétique en Arménie continue. Un document dans ce journal. Autre point de tension dans le sud du pays, cette fois-ci en Azerbaïdjan. Là aussi, depuis quelques semaines, l'armée soviétique se déploie et procède à des déportations de villages entiers arméniens. Vous comprendrez qu'il est bien difficile de filmer et surtout de sortir des images non soviétiques. Grâce à Léo Nicolian, nous sommes en mesure ce matin de vous montrer des images de la situation en Azerbaïdjan. La scène que vous allez voir s'est passée la semaine dernière près du village de Chaumian. Commentaire, Marc Dupuis. Chaumian, gros bourg paysan en Azerbaïdjan, dernier bastion arménien en terre azérie depuis le déploiement soviétique dans la région le 29 mai dernier. Au programme des forces spéciales soviétiques, la déportation des populations arméniennes comme solution au conflit qui les oppose aux musulmans azéris. Sur le terrain, une solution forcée aux allures de solution finale pour nombre de personnes âgées qui ne résistent ni aux gestes brusques, ni aux chocs émotionnels. Malgré ou à cause des directives de Moscou, les Azéris ne relâchent pas leur emprise pour autant. Le 26 mai dernier, trois miliciens arméniens chargés de la sécurité de Chaumian seront sauvagement assassinés, tête, bras et jambes défoncés à coups de hache. Devant l'émotion suscitée par ces exécutions, leurs obsèques, suivies par 100 000 personnes, se dérouleront en Arménie, à Erevan. Depuis, le siège de Chaumian et l'expulsion des derniers Arméniens d'Azerbaïdjan continuent. Leur dénonciation par le président arménien Der Petrosyan n'y fait rien, pas plus que l'opinion internationale. Pied né de l'actualité à cette tragédie humaine, le président George Bush a prolongé d'un an, hier, la suspension des restrictions commerciales avec l'URSS, estimant que les progrès en matière d'émigration avaient été enregistrés en Union soviétique.